Bonjour les loulous, dans cette vidéo on se retrouve pour faire des mathématiques, c'est pour apprendre à compter. Nous allons jouer à un jeu qui s'appelle la carte retournée. Normalement c'est un jeu pour les grandes sections, mais j'ai transformé le jeu pour le faire même en moyenne section. Attention, cette vidéo ce n'est que pour les moyennes sections. Si tu es en grande section, tu ne dois pas regarder cette vidéo, tu t'es trompé, ça doit être une autre vidéo. Les moyennes sections, vous êtes avec moi? Oui, c'est parti, on y va. Avant de faire le jeu, il faut se souvenir des nombres. Regarde, sur l'écran, j'ai mis notre aide-mémoire. Sur la première ligne, il y a les nombres qui sont écrits jusqu'à 10. Sur la deuxième ligne, il y a les points sur le D. Et sur la troisième ligne, il y a les nombres avec nos mains. D'accord? On va compter ensemble. Colonne par colonne. Elles sont là, les colonnes. C'est ça, une colonne. Tu es prêt? On commence à compter depuis 1. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo! Maintenant, je peux t'expliquer le jeu. Je te rappelle que normalement, tu dois être en moyenne section pour regarder cette vidéo. Pendant toute la vidéo, je vais laisser l'aide-mémoire en haut. Si tu veux y arriver tout seul, ne regarde pas l'aide-mémoire. Mais si c'est trop difficile, tu as le droit de regarder l'aide-mémoire en haut pour t'aider. On a des petites cartes avec les nombres écrits. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attention, on met un trait sous le 6 pour ne pas se tromper. 6 a un gros ventre. Ensuite, on a une grande carte. Dans cette grande carte, il va y avoir des points. Il faut compter les points et ensuite il faut trouver la bonne étiquette qui va avec la grande carte. D'accord? Normalement, le jeu s'appelle la carte retournée, mais comme on n'est pas ensemble, on ne peut pas retourner les cartes. C'est parti. Il y a combien de points sur la carte? On compte ensemble? 1, 2. Bravo, il y en a 2. Alors maintenant, tu dois chercher la petite carte où c'est écrit 2. Si tu as réussi, bravo. Si tu n'y arrives pas, regarde l'aide-mémoire. On a dit qu'il y a 2 points. 1, 2. Donc, on s'aide avec l'aide-mémoire. 1, 2. 2. 2, c'est comme ça. Donc, c'est cette étiquette-là. Il est là, 2. Bravo. On prend l'étiquette et on la met ici. Bravo. 2, c'est bon, on a réussi. Si tu n'es pas sûr, regarde l'aide-mémoire. 2, et là on peut vérifier, il y a 2 points. Bravo. Allez, maintenant j'essaye d'aller un peu plus vite. Là, je t'ai bien expliqué. Combien il y a de points sur la carte? On compte ensemble. 1, 2, 3, 4. Si je ne suis pas sûre, je regarde l'aide-mémoire. Je compte. 1, 2, 3, 4. C'est ça, 4. On cherche 4 dans les petites cartes, c'est où? Ici, 4, bravo! On prend l'étiquette et on la met sur la grande carte. Bravo, on a réussi. On continue. Combien il y a de points sur la carte? Normalement, on n'a pas besoin de compter. Tu le vois tout de suite. Il n'y a qu'un seul point, 1. 1, c'est ça, 1. Donc, elle est ici la petite carte, 1. On prend la carte et on la met. Bravo, on a réussi. On continue. Combien il y a de points sur la grande carte? On compte. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 points. Bravo. Où est-ce qu'il y a la carte 5 ici? Tu peux regarder l'aide-mémoire tout seul, sans mon aide. C'est ça, 5. Bravo. On prend la carte et on la met sur la grande. Super, on continue. Combien il y a de points? On compte. 1, 2, 3. Elle est où la carte 3? Tu peux regarder l'aide-mémoire si c'est trop difficile. La carte 3 est là. Bravo. On la prend et on la met sur la grande carte. 3, c'est bon, on a réussi. Il y a combien de points sur la carte? On compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, cherche la carte 6. Elle est là, la carte 6. Bravo. Il y a un trait en dessous. Le 6 a un gros ventre. Bravo.
Et on met la carte 6. Super. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ce n'était pas trop difficile pour toi. Si c'était trop facile, tu peux remettre la vidéo, enlever le son, demander à papa ou à maman d'accélérer la vidéo et de le faire tout seul, sans moi. Si c'était trop difficile, essaye de refaire cette vidéo avec l'aide-mémoire ou demande à papa ou à maman de te donner l'aide-mémoire pour faire ce jeu. Je te dis à bientôt, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir!